À l'entame de la visite et en compagnie du général-major Mohamed Ajrout, commandant de la 6e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du secteur portant sur l'idée générale et les étapes de son exécution. Cet exercice tactique qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la deuxième phase de préparation au combat 2018-2019 a été exécuté par les unités du secteur opérationnel de Burj Bedi Mokhtar, appuyées par des unités aériennes dont des avions de combat et des hélicoptères devancés par l'aéronef de reconnaissance aérienne du haut commandement. Cet exercice a également vu la participation de drones ayant exécuté une reconnaissance de cibles ennemies et procédé à leur destruction. Au niveau du polygone de tir et de manœuvre du secteur, le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement des actions menées par les unités participantes à l'exercice, ce qui a été exécuté avec haut professionnalisme qui témoigne de grandes capacités à assimiler le contenu de cet exercice et démontre une véritable rigueur en termes d'exécution sur le terrain selon le plan tracé et conformément aux objectifs escomptés. L'exécution de cet exercice a également été marquée par un haut niveau reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et du commandement à tous les échelons, comme il confirme le talent et la capacité des personnels à maîtriser l'emploi des différents systèmes d'armes et des équipements mis à leur disposition. Des indicateurs qui prouvent le degré d'état prêt qui caractérise les unités du secteur opérationnel de Burj Bedi Mokhtar en particulier et les unités de la 6e région militaire en général. À l'issue de la visite, le général de corps d'armée s'est réuni avec les personnels des unités exécutant l'exercice. Il les a félicités pour les efforts consentis durant la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, ce qui a permis de réaliser des résultats très satisfaisants au regard de la précision des tirs par différentes armes. Le général de corps d'armée a présidé ensuite une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels du secteur où il a prononcé une allocution suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la région dans laquelle il a affirmé que la seule voie permettant de sortir de la crise que traverse notre pays est d'adopter un dialogue sérieux, sincère, réaliste, constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. J'ai affirmé à maintes reprises et je le répète aujourd'hui une fois encore que l'unique voie pour résoudre la crise que vit notre pays est d'adopter la voie du dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. Car l'établissement du dialogue signifie la disponibilité de tous à s'entendre et s'écouter mutuellement avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l'impératif, de trouver les solutions idoines sans délai. En effet, le peuple algérien, dévoué à sa patrie et conscient de l'importance d'aboutir rapidement à des issues adéquates à cette crise, ne veut plus revivre les expériences douloureuses antérieures dont il a subi les affres et souffert terriblement des répercussions. Tout comme il n'oublie pas et ne veut pas oublier cette pénible période qu'il a vécue durant les années 90. Nous devons, en tant qu'Algériens, tirer l'enseignement des expériences et des événements tragiques passés où la raison était absente et
dont l'unique perdant était la patrie. Aussi, nous insistons sur la nécessité que toutes les parties fassent preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie. Ce dialogue auquel les personnalités et les élites nationales, fidèles à la nation et à son intérêt suprême sacré, doivent participer. Le dialogue sincère et objectif, lors duquel il sera question de l'évaluation des circonstances que vit le pays et de concessions réciproques pour le bien du pays. C'est ainsi que l'on outrepasse les divergences entre les différents avis, et du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s'élève au-dessus de l'intérêt de notre pays. Notre histoire regorge de leçons et d'enseignements en ce sens que l'Algérie a traversé plein d'épreuves et de moments difficiles, mais son peuple authentique et conscient a su les surmonter grâce au sens de la responsabilité collective qui lui est connue. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie sortira de cette crise grâce aux efforts de ses enfants dévoués parmi ceux qui ont les capacités et les qualités qui leur permettent de contribuer sans doute à l'aboutissement aux solutions attendues. Aujourd'hui, l'Algérie est dans l'attente de tout effort sincère et dévoué de la part de ses enfants, notamment les personnalités nationales qui ont une capacité réelle à apporter la contribution judicieuse de façon à trouver les solutions escomptées. Et les solutions viendront avec l'aide d'Allah dans les plus proches délais, car notre confiance en notre peuple est grande et notre confiance en Allah l'est encore plus, afin d'assister l'armée nationale populaire dans l'accompagnement des fils de notre patrie lorsqu'ils présenteront leurs propositions constructives, comme le requiert le noble devoir national. L'histoire retiendra tout effort ayant contribué à trouver une sortie saine à la crise en Algérie. Et n'échouera point celui qui consent des efforts, à condition qu'il soit honnête et sincère. À ce titre, et comme je l'avais souligné à maintes reprises, je réitère encore aujourd'hui que l'armée nationale populaire restera immuablement fidèle à son engagement d'accompagner le peuple algérien, les institutions de l'État et l'appareil judiciaire. Je voudrais également souligner, comme énoncé lors de mes précédentes interventions, que nous n'avons aucune ambition politique et que notre aspiration majeure est de servir notre pays et notre armée conformément à nos missions constitutionnelles. Et c'est là une position dont nous ne dévierons jamais. Nous tenons ces propos en toute connaissance de cause, car nous considérons la réalité de la crise de notre pays d'un point de vue réaliste et profond, en prenant en compte ses dessous et objectifs, ainsi que ses répercussions directes et indirecte sur la sécurité et l'avenir de l'Algérie. Nos analyses sont objectives et rationnelles, basées sur notre compréhension et perception de l'enchaînement, la corrélation et le déroulement des événements, ainsi que leurs finalités et principaux objectifs. En cela, nous faisons appel à une vision stratégique fondée sur l'information crédible, sur ce qui se passe et la prédiction de ce qui pourrait se passer, ainsi que l'examen approfondi des tenants et aboutissants de cette crise multidimensionnelle. Le général de corps d'armée a rappelé en outre que le dialogue entre les différentes parties devrait faire des multiples revendications populaires réalisées jusque-là sa base et son point de départ.